Bienvenue au Studio Rock Moderne pour une présentation de deux box et d'un double LP, et donc du lourd et du très lourd. Alors en fait, il s'agit d'une vidéo consacrée à l'envers du décor. Je vous présente tout le temps des disques ou des compilations de morceaux d'artistes qui sont donc des chanteurs, des musiciens, des groupes. Mais on ne se pose jamais la question de savoir comment sont réalisées ces versions, ces morceaux de musique en studio. Et bien justement, on a donc les papes de la musique studio en ce qui concerne le remixage. Alors, trois noms célèbres, Arthur Baker, Shep Pettibone et John Longo. En effet, tous trois sont des disques jockeys au départ, puis ensuite des remixeurs et des producteurs de disques américains qui ont été actifs à peu près dans les années 70-80, voire après 90. Donc, puisqu'ils sont un petit peu de ma génération, je crois que on a Arthur Baker, qui est donc américain, qui a été actif à New York, qui est né en 1955. On a Shep Pettibone, Robert E. Pettibone, né en 1959, mon année de naissance, donc dans le New Jersey. Et ensuite, on a John Longo, qui est de Boston, mais qui lui était, c'est pas précisé sur mes sources, mais je crois qu'il était de 1949, voilà, il était un petit peu plus âgé. Alors, à l'occasion de la sortie du troisième volet, je dirais, de ces réalisations, en effet, Arthur Baker donc, a voulu sortir trois compilations. D'abord, les compilations de les titres qu'il a remixés, de ses maxi, dont voici un aperçu. On va en parler plus avant. Ensuite, il a présenté le premier volume. Il y aura peut-être une box du remixeur Shep Pettibone, dont je viens de vous parler. Donc, il a compilé donc des maxi, des remixes qui ont été faits par lui. Et ensuite, vient de sortir à l'instant. Je l'ai reçu pratiquement à l'instant d'Angleterre. Donc, c'est vraiment tout récent. Donc, les versions remix de John Longo. Voilà, alors je vais vous donner beaucoup plus de détails. On va l'ouvrir ensemble. Je connais à peu près la moitié de ce que contient le coffret. C'est pour ça que je me suis permis de faire un unboxing sans avoir écouté des choses que je ne connais pas. On ne connaît pas tout. Alors, on va déjà commencer par la box que j'ai commandée sur le site du label. Donc, Arthur Baker présente Dance Masters, Arthur Baker, donc les remixes de Arthur Baker. Donc, c'est chez Demon Records. Et je l'ai commandé chez Ultred parce que Demon ne vend pas directement. Voilà, c'est un label intéressant, mais qui ne vend pas directement. Alors, 6 LP, il existe une box avec 4 LP, mais celle-ci, 6 LP et de plus dédicacée, était assez difficile à trouver. Alors, il a remixé, par exemple, les titres Out of Touch d'Ariel Hall et John Oates, etc. Living in the Box, si vous connaissez, Fleetwood Mac, Big Love, The Cars, Hello Again, le célèbre remix, Fine Young Cannibals. Qu'est-ce qu'on a du Bob Dylan, du Colorfield, Deborah Harry. On a pas mal de choses, je ne vais pas vous parler de tout. Africa Mambata, évidemment. Second Image, Central Line, oui, très très bon. Rocker's Revenge, de 82. Voilà, je vais vous montrer un petit peu de façon... Voilà, c'est une box qui était sortie, celle-ci, en 2023, oui, tout est de cette année. Alors, on va l'ouvrir, donc vous voyez, 6 LP, voilà, si vous voulez la commander. Bon, elles sont toutes intéressantes, hein, il n'y en a pas. Alors, il existe, vient de sortir un coffret d'Arthur Baker, donc,
de Tommy Boy, mais comme ça correspond plus à de la musique hip-hop, donc ben, je ne l'ai pas acheté, parce que je connais certains morceaux, alors les morceaux qui m'intéressent, je les ai déjà en maxi 45 tours, et le reste, donc je ne connais pas, alors évidemment, je ne me suis pas encore aventuré dessus. Alors, voilà comment ça se présente, on a donc 6 à l'intérieur de la box, vous voyez. On a donc LP2, déjà commencé par le LP1, voilà. Et vous allez voir que c'est fort intéressant. Alors vous avez d'abord un livret qui vous apprend un petit peu tout sur Arthur Baker, ses fréquentations, etc. Voilà. Et voilà, le voici. Donc, des photos d'époque, hein. Vous voyez, années 80, tout à fait. Puisque... Oh, c'est extraordinaire. Rien que ce livret, ça vaut le coup. Parce qu'on apprend énormément de choses sur les enregistrements. Je vous montrer les photos sur les enregistrements d'époque. Voilà. Et vous avez en plus la discographie de tous les maxis, les pochettes de tous les singles qu'il a remixés. Donc c'est super sympa. Alors on a le Cars, Hello Again, Living in the Box, etc. Alors, il y en avait que je connaissais, mais que je n'avais pas. Alors, c'était assez sympathique. Et on a aussi le liner. Ah, je n'arrivais pas à l'ouvrir. Le liner dédicacé, vous voyez ici, donc, qui reprend la pochette de la box. Voilà. Alors, voyez, j'ai fait certaines découvertes, évidemment. Mais parfois je connaissais les titres, les artistes, mais je n'avais pas le maxi. Et là, ça vous permet d'économiser vraiment de façon extraordinaire. Vous voyez, tous ces maxis sont des versions maxi, hein, avec crédit. Donc les versions maxi. Alors vous avez voilà, sur le LP1, avec toutes ces versions. Ensuite, LP2, donc, avec toutes ces versions. Vous pouvez faire un arrêt sur image. Donc, vous avez quand même pas mal de titres, parce que 6 disques. Alors, superbe pressage, superbe version. Enfin, c'est fabuleux, quoi. Vous avez... C'est un monde. Ça vous a fait revivre un monde. Souvent, ces maxi n'étaient pas réédités, la plupart. Et difficilement trouvables, ou sur Discogs, alors ça vous revient à 30 € pièce. Alors que là, vous allez avoir, je ne sais plus combien il y a de... D'abord, je vous montre la pochette. Après, je vais vous en montrer un, parce que ce sont des vinyles noirs, évidemment. Voilà. Alors, je peux vous montrer le premier. Voilà. Alors, le premier, vous voyez, ce sont des... macaron, 140 grammes, mais c'est très très bien pressé. Il n'y a pas de pop ni de bruit de surface. Chez Demon Records, c'est de toute façon, c'est du travail anglais, c'est très bien. Mais souvent ils font travailler MPO. Alors là, je ne sais pas qui a pressé. Non, il n'y a pas de... Ah, il n'y a rien. Sur le... Oui, je crois que c'est un travail allemand. Voilà. Puisqu'en Angleterre, apparemment, il n'y a pas encore d'usine de pressage digne de ce nom. Voilà. Donc, pas mal de choses. Vous avez donc combien en tout de morceaux? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. On a une quarantaine de titres remixés. Donc, si vous voulez les acheter, les 40, ça vous ferait quand même 1 200 € avec les frais de port, tout ça, ou 1 000 €. Là, vous avez tout. Et en plus, dans un état extraordinaire, ce sont les meilleurs remix. Il y a du Adjaro aussi, Jermaine Stewart, Jeffrey Osborne. Ensuite, je l'ai dit, Freeze aussi, même des titres qu'on connaît moins.
Je regarde quand même parce qu'en blanc, ça fait 6, 6 et 6, 12, oui c'est ça. 12 et 6, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, oui 35, 35 titres en fait, parce que des fois le titre est sur deux lignes, voilà, vous avez 30, 35 maxi, enfin voilà, c'est assez intéressant. Donc box, la box, je crois, 4 vinyles est dispo sur Amazon, 4 disques, mais la box 6 LP est disponible qu'en Angleterre, malheureusement. Alors ensuite, on va passer sur le volume 1 donc des compilations de remix et de maxi consacrées à Shep Pettibone, donc deuxième remixeur, deuxième DJ, deuxième producteur de disques américains aussi. Et là, vous avez donc uniquement deux disques. Vous avez avec les remixes de George Michael, Hard Day, Duran Duran, Whitney Houston, Thompson Twins, Level 42, etc. Cyndi Lauper, Pet Shop Boys, évidemment. The B-52s, Huey Lewis and the New Order. Parce qu'il s'était quand même illustré dans pas mal de remixes de New Order. Et justement. De mémoire, je me souviens que Arthur Baker, oui, c'est ça, avait remixé pas mal de New Order aussi. Voilà. Donc, je vous montre encore ce sticker qui s'appelle. Oui, 40e anniversaire, sorti. Là, il y avait 30, 36, et ici, il y a 35 en fait, vous voyez, c'était marqué sur le sticker. Il y a bel et bien 35 titres. Voilà. C'est tout bête, c'était déjà marqué. Là, il y en a 16, mais c'est le volume 1, donc il y aura un volume 2, et je pense qu'il va sortir une box à la fin. Donc voici les titres. Si vous voulez faire un petit arrêt sur image, vous avez tout ça à l'intérieur. Alors là, c'est intéressant parce que c'est pas cher du tout. C'est en dessous de 30 euros. C'était sorti en 2021, et ça vient d'Amazon, me semble-t-il. Alors vous avez des sous-pochettes qui reprennent. Voilà, avec le DJ, vous avez donc les crédits, les morceaux, les macarons. Il n'y a pas les pochettes, il y a les macarons. Et là, vous avez donc des disques qui sont. Moi, j'ai pris l'édition limitée, évidemment. Vous me connaissez. Voilà. Et, ensuite, on a toujours un problème à remettre dans ces pochettes japonaise à quoi on dit, toujours difficile. Et vous avez le deuxième aussi qui eh ben, est pareil en fait. Voilà. Voilà. Alors là, j'ai tout écouté parce que quand c'est dans des pochettes antistatiques, là on est sûr que ça a déjà été écouté. Dans les box, ben, j'ai pas tout écouté parce que j'en connaissais la plupart. Voilà. Petit à petit, c'est à digérer petit à petit tout ça. Alors là, est-ce que non, c'est pas un gatefold, donc je laisse le blister bien précieusement. Voilà, donc volume 1, on espère un deuxième, un second volume, peut-être une box. Voilà, ça fera un petit peu double emploi. Donc là, on a 16 remix, on a 35 et 36. Bon, ça fait 70 en tout. Je vais vous présenter 70, 80, 87 maxi. Avec ces deux box, sur l'équivalent de 87 maxi remix. Voilà, donc là, la sixième, donc de John Lungo. Alors, je vais peut-être en parler un petit peu plus parce qu'il a surtout travaillé avec Mixture, Ultravox, Peter Godwin. Donc, qui dit Peter Godwin dit Hans Zimmer. Il a travaillé avec Visage et on retrouve le fameux titre Fade to Grey, la version américaine qui était sortie en 1981 de Fade to Grey, puisque le morceau de Visage par Mildew et Steve Strange était de 1980. Alors on va l'ouvrir, donc 6 LP. Voilà. Alors celle-ci, donc je pense qu'elle est dispo, mais c'est toujours plus cher. Hein. Elle est dispo sur Amazon, ce sont des pré-orders qui datent de plusieurs mois pour avoir des prix assez intéressants. Alors, je pense que je vais peut-être pas garder le blister, je vais le déchirer parce que ça va prendre trop de temps. Et de toute façon, voilà, de toute façon, ça reste pas. Donc voilà, on va l'enlever, ça.
voyez, je vous remontre un sticker. Mais voilà, comme ça c'est plus facile, ça gagne du temps. Voilà. Voilà, aspect mat avec toujours. On peut le ranger dans différents sens. Voilà. Et l'intérieur. Alors, je la découvre avec vous. Ah, ben elle est aussi également dédicacée. Et oui, tout ce qui vient d'Angleterre, généralement. Ah, c'est assez sympa. Voilà, c'est l'édition limitée, dédicacée. Voilà, 6 vinyles. C'est vraiment hyper sympa d'avoir fait ça. Je suis bien content. Et on a pareil ce petit livret. Pour ça, je rachèterai peut-être la box pour Chef Petit Bonne. Alors, je sais que Tommy Boy, donc, elle est sortie. Hein, la box Tommy Boy, mais ça s'adresse plutôt à Wanted Wax Dimitri qui adore le hip-hop. Voilà, bon, y avait beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Voilà, John Longo. D'ailleurs, son visage ne m'était pas inconnu. Voilà. Donc, disque jockey. Alors, lui, peut-être moins producteur, mais surtout disque jockey, remixeur, mais je le connais moins en tant que producteur. Ouais. Je regarde quand même. Oui, Chef Petit Bonne était plus axé sur Madonna, on se souvient, Pet Shop Boys, tout ça. Et John Longo, donc... était moins producteur. Voilà, donc ça je vous l'ai montré. Comme je parle en même temps, vous avez tous les singles. Il y a une documentation extraordinaire du Billy Idol, vous avez du Tina Turner, vous avez du Rick Springfield, du ZZ Top, du Falco, du Camouflage aussi, du Von Chung. Aussi Peter Schilling, là, c'est lui, Major Tom, Shy Boy, ZZ Top, Cheer, Bananarama, ouais, bien sûr, Tarzan Boy aussi, vous voyez, c'est lui qui avait fait ça. Voilà. Non, mais ça, je vous la conseille vraiment, c'est la John Longo et la première, là. Enfin, toutes, ils sont bons. Voilà, Visage, évidemment. Cabaret Voltaire, Crackdown, Blancmange, Blind Vision, évidemment, on se souvient. Oh là, c'est fabuleux. The Look of Love aussi. Oh là 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 là. Soft Cell, Insecure Me, la version américaine qui n'est pas si facile que ça à trouver. Fabuleux. Give Me aussi, I Love It, que j'avais ramené du Virgin Megastore en été 82. Un bon morceau, ça, de High Level et Give Me. Un bon groupe. C'est pas Level 42, c'est High Level. Fantasy. Après, il y a des choses moins connues. Jackie Moore. Des choses à connaître. Bon, ça, c'est crédit. Donc, vous avez ce livret, et vous avez bien sûr les 6 vinyles. Alors, je n'ai pas eu le temps encore d'écouter, mais je vais vous montrer dans le détail. Donc, on va refaire la même chose. LP1, LP2, là. Vous vous rendez compte, tout ce qu'il y a, ZZ Top, tout ça. S'il fallait acheter tous ces maxis, on dit que j'ai beaucoup de choses, j'en ai quelques-uns, mais par exemple, je dois avoir le Bananarama, le Baltimora, le ZZ Top, Fine Young Cannibals, peut-être pas, peut-être en remise, je ne sais pas. Mais je suis loin de tout avoir. Le 3. Donc, Peter Schilling, oui, très très bon. Hein, Camouflage aussi. Von Chung, ça je les ai. Sauf celle Bill Nelson, Acceleration. Un des meilleurs guitaristes d'Angleterre depuis les années, qui était donc membre qui avait fondé le groupe punk, post-punk, Bebop Deluxe. Les connaisseurs se souviendront donc
de Bill Nelson qui a perdu l'audition et qui a un petit plus ou moins arrêté depuis pas très longtemps. Peter Schilling, Major Tom, enfin, tout est excellent, excellent, excellent. Des grands, rien que ça, ça. Il y a le visage, sauf celle Bill Nelson, Peter Schilling, Camouflage et Van Chung. Ça pèse lourd. Là, c'est incroyable. Tout ça sur le même disque, c'est rare quand même. Des choses comme ça. ABC, on est compte Blancmange, Le Crackdown, un des meilleurs morceaux de Cabaret Voltaire. Cabaret Voltaire, Level 42, High Level, oui. The Quick, Zulu. Moi je l'ai, le maxi. C'est pas du tout Zulu d'ailleurs, mais c'est très bon. C'est très très bon. Voilà. Qui avait été pas si facile que ça à trouver, j'avais trouvé chez recordsel.de. Voilà. Donc. Alors là, par contre, je ne connais pas trop. Bon, il va de la new wave au pop rock, au disco aussi, tout ça. Donc, voilà, il y a aussi tout un genre de musique que je ne connais pas forcément. Voilà, parce que j'aimais peut-être moins hein, aussi, les années 80 et le 6e. Voilà. Et on a. Non, là, je connais moins. Tout ça, c'est à découvrir pour moi. Je connais vaguement. Peut-être certains connaissent. Dites-moi hein, si vous connaissez. Voilà. Alors. En plus, ben, puisque je suis dans les remixes, je vais vous faire écouter. Alors ça, c'est pas normal que ce soit passé en dessous des radars, parce que c'est du Music on Vinyl. Je pense à toi aussi, qui collectionne notamment, qui les présente. C'est une compilation de maxi, de remix, donc super sympa. Ça s'appelle, il y a Queen, The Cure, Simple Minds, 80, 80s, quoi, 12 inch, show mixes. On a Fopaganda, Tears for Fears, Mando Ballet, Billy Idol, UB40, Queen The Cure, etc. Donc, vous avez tous ces titres. Je vais les faire. Enfin, j'ai bien écouté tout ça. Très bien pressé aussi. Voilà. On a du Kim Wilde, du Nick Kershaw, on a du Spando Ballet, du Robbie Neville, ensuite Frankie Goes to Hollywood. Tears for Fears, The Queen, The Cure, Close to Me, Was, Not Was, Red Box, c'est bien ça aussi. Simple Minds, Billy Idol, ABC encore, UB40, Culture Club, Matthew Wilder, très très bon artiste aussi. Ça avait montré l'import américain et l'import japonais. Huey Lewis and the News, Propaganda, Thompson Twins, Team X Social Club. Tout est bon là-dessus, tout est bon. Je vous montre vite fait. Voilà. Tout est excellent, excellent. Vous avez les maxi, c'est vraiment du lourd, du top. Pour se méfier, parce que chez eux, il y a pas mal de leaflets. Voilà. Hop. Et vous avez toutes les pochettes ici. Donc, on reconnaît celle de Kim Wilde, Spandau Ballet, chant numéro 1. Etc. ABC, là c'est Culture Club, Elvis, Queen, Billy Idol. Là aussi vous vous régalez pour des prix qui sont pas. Vous vous rendez compte, vous avez combien de titres là? Combien de remix il y en a? 1, 2, 3, alors 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on doit avoir une vingtaine, ouais, c'est ça. On a plus de 20, 18, 19, 21 titres. 21 titres, 21 maxi. C'est vraiment super bien. Alors, on a donc des. Par contre, là, c'est du 180 grammes chez Move Music on Vinyl avec des macarons différents. C'est très lourd. Je pense même que c'est du 200 parce que là, c'est vraiment très lourd. Voilà, quand c'est vraiment hyper lourd, c'est généralement du 200 grammes. Voilà, macaron un petit peu différent. Vraiment du très très bon pressage à avoir dans sa collection. Je ne sais pas si c'est encore dispo parce que c'était tiré à combien d'exemplaires ça. C'était tiré à. Non, c'est pas une édition. Ah, c'est quand même collected. Enfin, c'est peut-être encore dispo sur la Fnac ou Amazon. Je ne me souviens plus d'où ça vient ça. Et EF. Voilà. Donc des macarons différents. Superbe macaron. Voilà, années 80.
Voilà. Et puis alors, on a la Sempiternelle. Alors là, je vais aller passer un peu plus vite. Les éditions de Nao. Alors là, ils font vraiment du pognon. Du pognon maintenant. Moi, j'ai arrêté parce qu'on n'en finirait plus. Alors, il me manquait dans la collection de toutes les années, jusqu'en 87, Nao Yearbook, c'est un label. Hein. Donc, l'année 84, qui avait été édité en couleur, en bleu, me semble-t-il, à l'époque, et qui avait eu tellement de succès qu'ils l'ont exceptionnellement réédité en vinyle noir pour les collectionneurs, parce qu'on avait vraiment tous ces titres. Ce ne sont pas des remixes, par contre, mais ce sont vraiment des très bons morceaux. On a du George Michael, Duran Duran, Frankie Goes to Hollywood, Nena, Eurythmics, Tina Turner, Lionel Richie. On a Wham, Kenny Loggins, Ray Parker Jr. avec Ghostbusters, Phil Oakey, Giorgio Moroder, Lee Mal, Laura Branigan, Self Control, Elton John, Chaka Khan, Grandmaster Flash, bien sûr, Dennis Williams, The Pointer Sisters, Miami Sound Machine, Womack & Womack, The SOS Band, très bon groupe de funk, Frankie Goes to Hollywood, Skritti Politti, Woodbass, très bon, New Order, Zives Like Us, très bon morceau, Cure, The Caterpillar, David Sylvian, Echo and the Bunnymen, The Killing Moon, Propaganda, Dr. Mabuse, Duran Duran, The White Boy, Spandau Ballet, Only When You Leave, Alison Moyet, Love Resurrection, un des meilleurs titres, Matthew Wilder encore, Break My Stride, Nick Kershaw, The Riddle, Howard Jones, What Is Love, Malcolm McLaren, Madame Butterfly, très très bon morceau. Je pense que c'est la version album, ça, donc version maxi aussi. U2, Pride in the Name of Love, The Police, Simple Minds, The Pot, The Catwalk, ZZ Top, évidemment, Billy Joel, An Innocent Man, The Cars Drive, Paul McCartney. Voilà, vous avez de tout, la New Wave, du pop rock, de tout. Je vous le conseille, c'est un des meilleurs de la série des années 80. Voilà, si on avait acheté un, il y a l'année 84 et 85 aussi qui sont très bons. Ce ne sont pas des gatefold, donc bah, je vais vous en présenter qu'un seul, parce que ce sont des vinyles noirs du 200 grammes, mais des vinyles noirs. Quoique. Pas du 200 grammes, pardon, du 140 grammes. Là, je confonds, parce que vous voyez. Voilà. Hop. Vinyle noir, ça me va tout à fait, parce que l'édition colorée valait déjà avec plus de 3 chiffres. Vous voyez ça, la virgule. Je ne sais pas si vous êtes au courant des 3 chiffres quand j'en parle, quand il n'y a pas de virgule. Là, voilà. Je sais bien que c'est en euros. Vous me direz, l'euro vaut plus grand-chose. Mais quand même, il est dur à gagner. Donc, tant qu'il sera dur à gagner, ben voilà, c'est comme ça. Alors, ce sera cher. Alors ensuite, on a... Alors, ils ont sorti, ils font un peu de pognon. Pareil, Now It Is, Dance Floor, High Energy. Donc, c'était plutôt des remixes un peu High Energy, comme Evelyn Thomas, mais ce sont les versions single. On a plus de funk, plus de disco, et ou de la New Wave, un peu High Energy, The Communards, Dead or Alive, le fameux. Hazel Dean, très très bonne chanteuse, Bananarama, The Weather Girls, Barbara Pennington, bien sûr, Boys Town Gang, Donna Summer, Frankie Goes to Hollywood, Malcolm McLaren, Double Dutch, très bon titre aussi, Kim Wilde, Desireless avec Voyage, c'est assez sympa ça. Lisa Minnelli, London Boys, Ricky M, Laura Branningham, pas le même, Shattered Glass, puisqu'on est en année 84, Evelyn Thomas, le fameux High Energy, qui nous a saoulé pendant l'été 84, Hazel Dean, encore Searching, dont je vous avais présenté le maxi de chez Record Cell, très bon morceau, en pressage, que j'avais en pressage français, Sherry Lee Raff, Miguel Brown, Divine, donc groupe de chanteurs-chanteuses de produit par Bobby Orlando, voilà, là encore notre producteur, remixeur et disque jockey, Man to Man, Bronski Beat avec le fameux I Feel Love, reprise, Bananarama, Venus, Mel and Kim, Kelly Minogue, Sabrina, Boys, Sinita, Maria, Vidal, The Pointer Sisters, Stella. Là, ce sont de sacrés compiles, là. Si vous voulez de la compile, plutôt que d'acheter des bandes originales, vous avez des compiles qui sont écoutées dans le film et qui ne vont pas forcément les unes à la suite des autres. Là, vous avez vraiment une homogénéité. Vous avez, je ne sais pas combien de titres, hein. Vous en avez 8.
1, 2, 3, oui, 8 fois 4, 32, vous avez 30 titres. Voilà, 30 titres sur donc, 2 disques. Là, je voulais, je sais pas si j'en ai montré un. Je crois que ce sont, ouais, ce sont des vinyles couleur quand même, ça vaut le coup. Voilà, et là, on a toujours voilà, un peu translucide, très joli. Très joli, ça, c'est du vert, un petit peu vert d'eau, turquoise. C'est très joli. Bon, admirablement bien pressé. Le deuxième est de la même couleur. Ah non, et pas de la même couleur, vous voyez. Donc, je vous le montre quand même. Voilà, avec des petits reflets chinés. Voilà, donc, super sympa. Et le dernier, voilà, ça sera 30 minutes. Je ne pensais pas avoir le temps de tout vous montrer. On s'est compilé. Et la fameuse Now Yearbook. Alors, c'est dans la série. Donc, j'avais de 1980 à 1987. Là, on a l'année 1988. C'est pour ça que je vais aller jusqu'en 89. Après, j'arrêterai. J'aurai toutes les années 80 parce qu'ils ont déjà fait des compilations des années 90, tout ça. Mais bon, j'aime moins. Alors, celle-ci, je ne l'ai pas encore écoutée. Je n'ai pas eu le temps. Et ce sont des vinyles. Je vous montrerai d'abord les vinyles de couleur. Donc vous voyez, je suis honnête avec vous, j'ai pas eu le temps de l'écouter, mais je connais la plupart des titres. Mais évidemment, vous avez un joli bleu profond, vous voyez, translucide, magnifique. C'est vrai que c'est beau, je ne les avais pas sortis. C'est du 140 grammes, mais le c'est admirablement bien pressé, label anglais, donc vous pouvez commander directement sur leur site, mais je vous conseillerai Amazon Angleterre, parce que c'est là où vous aurez le moins cher, avec aucun frais de port ni de douane. Là aussi, donc, bah, c'est la même chose, en fait. Là, par contre, c'est la même couleur. Bon, je ne vais peut-être pas vous montrer le dernier, s'il est pareil. Ouais, c'est la même couleur, donc il y en a trois. Bon, comme ceci. Et on a, donc, ces titres. George Michael, Father Figure, Duran Duran, Eurythmics, Pet Shop Boys, New Order, Yellow, S-Express déjà, Theme from S-Express, hein, déjà on commence à voir la New Beat, 88 c'est l'année charnière, donc c'est l'émergence de la house, de la New Beat, je dirais de la dance un peu, enfin de tout ça, toute cette éclosion qui va conduire à techno. Alors Yaz, Kylie Minogue, Bananarama, Dollar, Debbie Gibson, Bros, pas si bon groupe que ça, mais The Time Lords, Bon Jovi, Iron Maiden, Pat Benatar, Succeed the Benchies, Peekaboo, Tanita Tikaram, très très bonne, très bon morceau, Fairground Attraction aussi, Everything But the Girl, évidemment, All About, I Have, toujours Bruce Springsteen, Elton John, Aztec Camera, Dead Can Blue, il y a de tout, The Adventures, Katy Perry, Sting, on a déjà la relève, les groupes qui ont commencé à assurer la relève de la New Wave dans le pop rock, Kim White, Tiffany, Belinda Carlisle, pardon, Cher, Art, Asward, Maxi Priest, évidemment, UB40, Pet Shop Boys encore, Eight Wonders, bon groupe de, je dirais, New Wave, Disco New Wave, Desireless, encore le voyage, ouais, voyage, Azeldin, encore un autre, oh, c'est très bon, très bonne chanteuse, Inner City, oui, Inner City, c'est pas du hip-hop, du black music, je me souviens plus, ou Mac and Womack, mais je sais que j'en ai un disque, Whitney Houston, voilà, vous avez tout, il y a beaucoup de choses que je ne connais pas dans le détail, et que je vais découvrir, mais je m'arrête en 89, j'aurai toute l'année 80, voilà, ce que je pouvais vous présenter en 35 minutes, vous rendez compte, vous avez quand même, vous avez presque une centaine, de plus d'une centaine de titres, là, avec ces 120 titres au moins, avec tous ces compilations. Voilà, c'est fabuleux. Vous avez un peu la substantifique moelle, comme dirait Rabelais. Voilà, donc il y aura une bande originale. Donc, j'attends de tout écouter du groupe Mécano. Vous voyez, j'ai tout ça. Donc, ça a été tout réédité. J'attends de tout groupe espagnol. J'attends de finir de tout écouter pour vous présenter ça. Il y aura une
j'allais dire une bande originale, oui, une vidéo sur les bandes originales. Vous avez un aperçu ici, peut-être sur des rééditions avec Oasis. Et sur les bandes originales de films, j'attends avec impatience donc de chez Mondo, de chez Waxwork aussi, des pré-orders qui tardent à venir. Et Mondo, alors petite info, Mondo fait un rabais, mais que si vous faites une seule commande. Hein. Si vous faites deux commandes séparées, le discount ne va pas s'appliquer sur la deuxième commande, que sur la première. Par contre, vous aurez sur toutes vos commandes séparées des frais de port réduits à 10 euros. Voilà. Et puis évidemment, des droits de douane. Mais on a quand même un rabais de 30%. J'ai pu commander des disques même qui viennent de sortir chez eux, hein, qui sont assez chers, avec 30% de réduction. Donc j'en ai pris 3 et avec des frais de port réduits. Donc c'était très intéressant. Voilà ce que je pouvais dire pour Mondo. Et ça se termine dimanche. Hein. Oui, ça a démarré lundi chez eux à midi, donc c'était à 19h. Et c'est encore valable chez eux. Je regarde si chez Mondo. Donc, et merci Wanted Wax de me l'avoir, Dimitri, mon cher collègue et adoré collègue, entre autres, avec d'autres. Et c'est vrai que Dimitri, il vous tient vraiment au courant de l'information des sorties de bandes originales de films. Hein, voilà. Moi, j'aime pas tout ce qu'il écoute. On est assez complémentaires tous les deux. J'en découvre un petit peu qu'il n'a pas aussi. Mais bon, ça permet d'avoir un fil conducteur, quoi, avec évidemment François de Direct Sound Vinyls, puisque maintenant, Vidéo Club Ancien Perrin, se spécialise surtout dans les films, alors il présente pas mal aussi de bandes originales. Ces 4 chaînes, je trouve, sont assez complémentaires, et c'est aussi celle de Monsieur Vinyl. Je trouve qu'on a 5 chaînes quand même complémentaires sur les bandes originales de films. C'est assez intéressant parce qu'on a vraiment écouté ces 5 chaînes, bon, évidemment la mienne, mais ces 4 autres chaînes, donc Wanted Wax, vous avez Monsieur Vinyl, évidemment, inutile de le citer, et puis Direct Sound Vinyl, une très ancienne chaîne, et puis spécialisé dans l'écoute de bandes originales à l'origine, et puis donc Perrin, Viniclub, Vidéoclub aussi, et là vraiment il y a un complément, des fois il y a des doublons bien sûr, mais il y a quand même un complément de présentation, puis aussi on vous présente le vinyle d'une certaine façon, qui n'est pas forcément la même. Voilà, il y en a un qui va être plus axé sur le film, d'autres plus sur l'artwork ou la production, la production, voilà, comment il a été fait, etc. Et puis moi, plutôt sur l'écoute, puisque ce qui me conditionne surtout, c'est l'écoute, même si j'ai pas forcément vu le film. Après, ça peut me donner envie d'aller voir le film, d'acheter le DVD. Ça m'arrive parfois, mais souvent, ce sont des films... Je suis pas tellement visuel, bien que étant vidéaste, je suis plutôt audio. Moi, c'est l'écoute qui prime, même s'il y a, par exemple, le film Mégane, que j'avais beaucoup aimé, j'avais été déçu par la bande originale. Voilà, je regrette de l'avoir acheté d'ailleurs, bon, j'aimais bien le film. Mais ce n'est pas parce que je vais aimer le film que je vais avoir la bande originale du film systématiquement. Voilà. Ou alors, vraiment, il faut que ce soit un film extraordinaire. Mais il faut vraiment que la musique vraiment me plaise beaucoup. Sinon, en général, pour mes goûts musicaux, vous allez peut-être mieux me comprendre. Il faut qu'il y ait soit de l'énergie, du rythme, que ce soit dansant, etc. Soit un thème, que ce soit bien mélodieux. Voilà. Voilà. Il ne faut pas que ce soit une musique d'ambiance, une musique voilà, trumeau, ce que j'appelle des musiques de fond. Voilà, il faut bien que les thèmes soient bien définis. Voilà, pour les musiques de films notamment, ou alors qu'il y ait du rythme, soit bien dansant, que, alors ça peut toucher sur le commercial aussi, mais voilà, j'aime bien la bonne musique. Voilà, écoutez, donc n'hésitez pas à vous abonner, laissez vos commentaires, et dites-moi ce que vous avez acheté aussi, parce que j'aimerais bien savoir ce que vous achetez comme disque. Voilà, si vous avez le courage d'arriver jusqu'à la fin de ma vidéo. Donc, pouce bleu, like, commentaire, et vous abonner et partager la vidéo. Salut, à bientôt.